Oui, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Comment allez-vous? David Abassi avec vous. Nous sommes lundi, comme tous les lundis. Dès 23h, je suis avec vous. Et bien sûr, chaque dernier samedi du mois. Malheureusement, c'est quoi? On vient d'entendre, juste à 14h, l'heure de Paris, attentat assez grave dans le métro de Saint-Pétersbourg. Environ 11 personnes tuées et plus de 40 personnes blessé. Le ministre de l'Intérieur français, il vient d'annoncer comme quoi la France va être prudente et mesures de sécurité de plus pour Paris, pour le métro, pour la France, bien sûr. Alors, tout à l'heure, j'étais en train d'écouter un spécialiste russe sur une antenne qui disait les djihadistes qui sont de retour, puisque vous savez, la Russie et surtout ex-Union soviétique, il y a beaucoup de petits pays, on peut dire, qui étaient dans l'Union soviétique et qu'il y a des combattants musulmans. La France, l'islam est la deuxième. Toujours, on a dit plusieurs milliers, 5 000, 7 000, je ne sais pas quoi, mais la Russie, c'est encore plus. Mais jusqu'à aujourd'hui, il est bien géré, c'est-à-dire le pays a été bien géré, et bien joué, les services de sécurité russes, mais malheureusement, cette triste information, on vient de l'entendre, la ville natale de Poutine, Vladimir Poutine. Et il ne faut pas oublier que ce matin, Poutine était à Saint-Pétersbourg aussi. Alors, est-ce que coïncident, c'était fait exprès, oui ou non? Tout ça, c'est à discuter, à négocier, à parler. Malheureusement, voilà, Saint-Pétersbourg, la ville natale de Poutine, était victime de cet attentat triste. Alors, comme à l'époque, même les Russes, ils ont dit, concernant Charlie Hebdo, nous sommes tous Charlie, avec Charlie, une question de Nice, la même chose, Bataclan, la même chose, bien sûr, l'homme de n'importe quelle pensée, de n'importe quelle couleur va aujourd'hui dire que nous sommes tous Saint-Pétersbourg, voilà, nous sommes tous Saint-Pétersbourg, et derrière le peuple russe et les victimes, que malheureusement, des innocents, puisque quand on fait des guerres traditionnelles, c'est l'armée, deux armées, trois armées qui font face à face. Mais malheureusement, terrorisme joue un aveuglement et il entre dans le champ de combat pour terroriser le peuple, pour terroriser un peuple. Et ça, c'est dangereux, malheureusement. Voilà. Mes chers amis, comme d'habitude, vous avez toujours parole. La parole vous appartient. La parole vous appartient. Je ne sais pas de quoi vous désirez quand on continue à parler ce soir, mais David Abassi est avec vous et je suis ravi de cette retrouvaille, mes chers amis. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM et dans le monde entier par internet, icietmaintenant.com. L'humeur du temps, présentée par David Abassi, écrivain et historien, tous les lundis et chaque dernier samedi du mois, dès 23h. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. Thank you.
Alors, le sujet le plus important, comme vous savez, en France, c'est toujours les élections présidentielles, puisque c'est très important. Cette élection est très différente par rapport à toutes les élections qui étaient déroulées en France depuis éternel à ce jour-là. Ce n'est pas mon avis à moi, c'est beaucoup de gens qui pensent comme ça. Puisque dans cette élection, vous allez voir qu'il y aura un grand changement dans la disposition des partis politiques. Beaucoup de... Beaucoup pensent que les deux grands partis politiques, qui est le parti socialiste et la droite traditionnelle, les républicains, après cette élection, il y aura des grands changements. Ces changements, vous le voyez actuellement. Et c'est vrai qu'il y en a 11 candidats, mais c'est le 5 qui est le plus important. Déjà, nous avons consacré une émission, on a parlé ensemble au sujet des partis politiques français depuis Charles de Gaulle. À ce jour, Charles de Gaulle, vous savez, Charles, nous avons parlé, je ne sais pas, c'est très intéressant, je ne sais pas si vous savez ou non, parmi les candidats, nous avons Charles aussi. Hein? Nous avons M. Charles qui est candidat. Vous le connaissez, Charles? Armand aussi, nous avons Armand et Charles parmi les candidats. Anne, vous connaissez Anne qui est candidat? Oui ou non? Perrin, vous le connaissez, Miss ou Madame Perrin? Alors, vous voyez, c'est des candidats aussi, hein? Jean-Michel, vous le connaissez, Jean-Michel? Jean-Michel Frédéric aussi, c'est candidat aux élections présidentielles. Ce sont d'autres prénoms de candidats. Si quelqu'un connaît le nom de la famille, de ces trois, je crois qu'il y a parmi les 11, oui, il y en a plusieurs qui ont plusieurs prénoms. Mais comme vous le savez, avec un seul prénom, il devient célèbre et il met de côté les autres prénoms. Alors, je me rappelle une anecdote assez intéressante, c'est bien de le citer ce soir, ici et maintenant, c'est le prénom d'ex-premier ministre qui voulait être candidat, mais il n'est plus malheureusement, Manuel Valls. Alors, Manuel Valls, c'est très intéressant, vous savez qu'il avait un autre prénom, Carlos. Manuel Carlos Valls. Alors lui-même, Manuel Valls, il n'aimait pas son prénom Carlos. Même il le détestait. Il détestait ce prénom Carlos. Je ne sais pas si c'est à cause de Carlos qui est en prison. Il va être jugé de nouveau ou non. Mais il n'aimait pas. Et pour la plupart des fois, c'est comme ça. C'est-à-dire quand l'individu, la personne, il a plusieurs prénom, il y en a un qu'il aime beaucoup et les autres franchement il ne l'aime pas, mais quand il est intime avec quelqu'un, c'est là qu'il va s'exprimer et dire que j'aime pas ça. Alors moi je me rappelle, quelqu'un avait écrit un courrier à l'époque dès qu'il est devenu ministre de l'intérieur de la France, et sa secrétaire, la personne qui a fait le courrier pour Emmanuel Valls, Manuel Valls. Alors, sa secrétaire, il a mis Manuel Carlos Valls. La lettre s'est postée, envoyée, je ne sais pas comment, par Internet, par email ou par courrier. Et dès qu'il a reçu cette lettre, il était tellement fâché qu'il a mal joué au sujet de cette lettre. Alors, ça c'est une longue histoire, je ne veux pas y entrer, mais après, la personne qui avait signé la lettre, il a bien compris que Carlos n'aime pas ce prénom. Alors, parmi les candidats, voilà, vous avez des gens qui ont le prénom Charles, Armand, Anne Perrin, et vous avez Jean-Michel également, et vous avez Frédéric parmi ces gens-là. Si vous les connaissez, alors, ça serait bien de jouer ce soir ensemble, téléphoner pour nous dire. Alors, sinon, on va aller écouter d'autres choses. Comme d'habitude, mes chers amis, sur 95 FM Radio, ici et maintenant, vous avez la parole, vous pouvez vous exprimer en composant le 08 92 23 95 20.
Alors, parmi les candidats, comme vous savez, la seule personne qui a commencé dès le départ à parler sur les banques et contrôler plus les banques et donner fin aux dictatures des banques, c'était Jean-Luc Mélenchon. 136 filiales dans les paradis fiscaux. C'est qui? C'est Société Générale. Encore, après Panama Papers, vous avez sans doute entendu qu'il y a encore des trucages et des détournements de l'argent, blanchissement de l'argent de la part de certaines banques, y compris Société Générale. 30% de ses bénéfices, Société Générale, dans les paradis fiscaux, c'est-à-dire 30% de ce qu'il gagne, c'est dans les paradis fiscaux. Il ne paye pas les impôts, 30% de ce qu'il gagne. Pour ça, Jean-Luc Mélenchon, à l'époque, il avait demandé une pétition, il avait lancé une pétition, demandé la signature du peuple français en faveur de cette signature, comme quoi l'argent qui est touché comme exonération de taxes et d'impôts, Société Générale, j'en parlerai, de la part de l'État, il devait le rembourser, plusieurs millions d'euros. Alors, 1005 sociétés offshore gérées par la Société Générale, 1005 sociétés qui ne payent pas les impôts en France. Et Société Générale même, 30% de ses bénéfices est gagné grâce à ce détournement de l'argent et ce que vous pouvez constater dans le dossier de Panama Papers et d'autres problèmes bancaires. Ça, c'est très important, puisque 30%, c'est des sommes assez énormes. Et de l'autre côté, il bénéficie de exonération des impôts et l'aide qu'il avait obtenue, je crois que c'était l'année 2015 ou 2016. Et de l'autre côté, vous êtes au courant que il avait menti le patron de Société Générale, il était sous testament, il a menti devant le sénateur français. Alors, vous, parmi les candidats, vous avez deux sénateurs, puisque Jean-Luc Mélenchon, c'est sénateur Jean-Luc Mélenchon. Vous savez, Jean-Luc Mélenchon, il est né le 19 août 1951 à Tanger, au Maroc en plus. Voilà, il est né au Maroc. Il est élu conseiller municipal de Massy depuis 1983. Depuis 1983, il est entré dans le politique. On peut dire conseiller général de l'Essonne 1985 et sénateur du même département en 1986. Réélu en 1995 et 2004. Et Mélenchon. Il était dans l'opposition à l'époque quand il a gagné, il ne faut pas l'oublier. Il était ministre et 2002, mes chers amis, à côté de Jacques Lang, dans le cabinet de Lionel Jospin, qui était un cabinet de cohabitation, mes chers amis. Voilà, au congrès de Reims, c'est en 2008. En 2008, oui, il quitte le PS, Parti Socialiste, et il fonde un parti de gauche, soit un parti de gauche, PSG, Jean-Luc Mélenchon. Alors Jean-Luc Mélenchon, aujourd'hui, on parle beaucoup, pourquoi il ne se rallie pas avec Benoît Hamon? C'est très simple, pourquoi? La réponse est très simple, puisque c'est impossible. C'est impossible, deux partis politiques qui ont dépensé plusieurs millions d'euros pour la campagne présidentielle. Un s'y abandonne le combat et il se rallie à quelqu'un d'autre, à notre parti, c'est-à-dire Benoît Hamon, il abandonne, il se rallie à Mélenchon, ou si Mélenchon il fait la même chose, alors déjà, il ne peut pas être remboursé de ce qu'il a dépensé. En plus, ce n'est pas lui qui a dépensé, c'est son parti politique, c'est-à-dire UPS ou le parti de Mélenchon, ils vont être en faillite après, puisqu'une fois que vous abandonnez le champ
de combat, c'est-à-dire vous ne voulez plus participer aux élections, premier tour, bien sûr, je parle de premier tour. Alors, quand vous abandonnez, l'État ne va pas vous rembourser puisque vous n'avez pas encore obtenu des résultats. Et tout ce que vous avez dépensé, c'est de votre poche. En plus, au pôle présidentiel, comme vous le savez, il ne dépense pas quelques centaines de milliers d'euros. C'est plusieurs millions d'euros qui ont été dépensés, qui ont dépensé. Le premier, c'est ça, c'est-à-dire unir les deux partis, les deux candidats, Mélenchon, Benoît Hamon, c'est impossible. Parce que si on le fait, la partie qui va se retirer de cette élection, même premier tour, il va être en faillite. Toutes les millions qu'ils ont dépensés, il ne va pas être remboursé. De l'autre côté, l'autre, il ne peut pas le rembourser non plus après les élections, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui, ça va arriver, ce qui va passer après. Pour ça, relier les deux partis, c'est impossible. Et Benoît Hamon, Mélenchon, un des deux abandonne en faveur de l'autre, c'est impossible. Je crois que vous le saviez ça. Hein? Mais quand j'ai parlé avec plusieurs personnes dans les semaines dernières, les semaines passées, j'ai constaté que la plupart des gens ne savaient pas ça. N'étaient pas au courant de ce fonctionnement. Qu'il y a plusieurs millions d'euros en jeu. Benoît Hamon ne peut pas abandonner. Mélenchon non plus ne peut pas abandonner en faveur de l'autre. Puisque c'est le seul parti qui va être en faillite. Pourquoi ? Puisqu'ils ont tout dépensé, même peut-être emprunté de l'argent pour cette campagne. Ils vont être remboursés puisqu'ils vont dépasser le quelques pourcentages qui doivent le passer. Et voilà. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM et dans le monde entier par internet, icietmaintenant.com. L'humeur du temps présentée par David Abassi, écrivain et historien, tous les lundis et chaque dernier samedi du mois dès 23h. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. Alors Benoît Hamon, né le 26 juin 1967 à Saint-Rémy, Finistère, président de 1993-1995 de la jeunesse socialiste, jeune socialiste, jeunesse socialiste, il va présider cette petit mouvement d'association. Il devient député européen entre 2004 et 2009. Mes chers amis, après porte-parole de parti socialiste, et aujourd'hui candidat, bien sûr ministre de l'éducation nationale aussi, enseignement supérieur, Benoît Hamon, aujourd'hui il a gagné primaire socialiste et il est candidat, il a dépassé Valls et les autres concurrents. Alors, je ne sais pas à votre avis si actuellement il y a des sondages qui parlent, qui donnent 8% à Benoît Hamon et d'autres pourcentages aux autres. Ce soir, nous allons faire un autre jeu également. Les prénoms qu'on a donnés, ils restent toujours fiables. Mais si on veut donner un pourcentage, concernant les 5 grands candidats, puisqu'il y en a 11, mais moi je pense comme vous que 6
ils vont pas arriver à la totalité de 6, hein, 10%. La totalité de 6, ils vont pas arriver à 10%. Alors 90% pour les 5 champions. Sans aucun doute, tout le monde est d'accord, même Macron, il a dit ça tout à l'heure, j'ai entendu. L'avantage toujours est en faveur de Madame Le Pen. C'est-à-dire Marion Anne Perrine Le Pen. Voilà, on le dit seulement Marine Le Pen. Marine Le Pen, je crois qu'il va avoir en premier tour. Voilà, on est en train de jouer. Vous aussi, vous avez votre part de jouer, de participer dans ce sondage individuel. Voilà. Je crois que moins de 30%. Premier tour, Marine Le Pen, moins de 30%. Alors, après, vous avez Mélenchon et Benoît Hamon. Benoît Hamon, ils ont dit 8%. Je pense qu'actuellement, c'est correct. Moins de 10%, Benoît Hamon. Mélenchon, ça peut dépasser le 15%. Le 15%. Après, il reste Fillon et Macron. Fillon, comme lui-même, il a dit... puisqu'on est en train de le massacrer. C'est vrai qu'il perd une partie des voix, mais de l'autre côté, il gagne une partie de voix. Quand l'individu, il est victime et il est frappé tous les jours, tout le temps, dès que vous ouvrez n'importe quel, les gens, ils ont marre. Ils ont marre. Pour ça, Fillon, sénateur. Sénateur. François Charles Armand Fillon. Vous voyez, c'est Fillon. L'ancien premier ministre, l'ancien ministre, je crois qu'il va arriver aux entours de 20%. C'est-à-dire, Fillon va toucher environ 20%, mes chers amis. Vous savez, il est né le 4 mars 1957, 54, pardon, 54. Et mois de mars, je crois que cette année, mois de mars, c'était il y a déjà... moins d'un mois, c'était le pire l'anniversaire de Fillon. Puisque moi-même, j'imagine de temps en temps, avec une critique, deux critiques, comment on peut passer la nuit. Mais lui, n'importe quoi qu'il dit, il est matraqué et on l'utilise contre lui. Alors, quelqu'un qui était premier ministre, ministre, sénateur, et il a commencé tellement jeune, mais voilà, c'est comme ça qu'on est en train de massacrer, quand on veut massacrer quelqu'un dans la politique, on le massacre, voilà, on ne regarde pas de qui s'agit-il. Alors, autre chose qui est très importante parmi les candidats, on a dit il y a des sénateurs, il y a des gens aussi, des candidats parmi... qu'ils ont marqué des choses dans l'histoire de la France. C'est-à-dire qu'il y a des lois qui portent le nom de candidats, on peut dire, de candidats. C'est-à-dire Fillon, il fait partie aux responsables politiques français, que son nom est sur certains projets de loi, mes chers amis, qui avait proposé, etc., etc. À ce sujet-là, on ne va pas parler. Mais vous, vous avez toujours la parole. Si vous avez des choses à dire, nous sommes là pour vous écouter. Alors, concernant Fillon, il ne faut pas oublier qu'il est, après Georges Pompidou, il est le deuxième Premier ministre de la France qui est la totalité de durée présidentielle. Il a resté Premier ministre, c'est-à-dire si Sarkozy, il a changé de ministre et de gouvernement, mais la tête qui était Fillon, il l'a gardée. Et même quand il y avait des conflits entre lui et Copé au sujet de l'UMP, et la direction de l'OMP, Fillon, il a contesté les élections et les désignations de Copé comme
soi-disant président du parti. Encore, il avait, on peut dire, l'appui de Nicolas Sarkozy. Et même dans cette histoire-là actuelle, à la fin, vous avez vu que tout était arrangé, il est resté, personne n'a pas voulu le remplacer, plan B, et ce n'est pas marché. Mes chers amis, vous avez la parole sur 95.2 FM, radio ici maintenant, en composant le 08 92 23 95 20. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM et dans le monde entier par internet, icietmaintenant.com. L'humeur du temps, présentée par David Abassi, écrivain et historien, tous les lundis et chaque dernier samedi du mois dès 23h. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. Parmi les candidats, Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron. Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron n'est pas sénateur. Hein. Il est né le 21 décembre 1977 à Amiens, comme vous savez. Il a lancé son parti politique à partir de l'Amiens. Il ne faut pas l'oublier. Et en 2008, son carrière bancier d'affaires chez Rothschild va commencer, mes chers amis. Membre du Parti socialiste entre 2006 et 2009,
Il est nommé secrétaire général adjoint au cabinet du président de la République française auprès de François Hollande en 2012, puis ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique en 2014. Alors, en avril 2016, il fonde son mouvement politique En Marche, on peut dire, et démissionne, mes chers amis, quatre mois après, et voilà, de ses fonctions de ministère. Le 16 novembre, il annonce sa candidature à l'élection présidentielle. Il ne faut pas oublier, malgré tout ce qu'on dit, puisqu'il travaillait pendant un certain temps pour Rothschild, et comme quoi c'est un candidat de Rothschild, moi, je pense, c'est-à-dire c'est mon idée, vous pouvez vous exprimer également, selon le projet qu'il a présenté pour la France, parce qu'il ne faut pas oublier que Macron n'est pas sénateur, c'est un jeune garçon, mais les projets qu'il a présentés, c'était assez important. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM et dans le monde entier par internet, icietmaintenant.com. L'humeur du temps présentée par David Abassi, écrivain et historien, tous les lundis et chaque dernier samedi du mois dès 23h. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. Voilà, il est, son nom, Macron, a été marqué dans l'histoire de la France, on peut dire, comme quoi il y a certaines lois nommées loi Macron. Alors, pour liberté et pour libérer les marchés, pour pouvoir investir et pour pouvoir travailler, il avait proposé plusieurs projets que certains, c'est-à-dire, pense que ces projets-là, ça aider de faire bouger un peu l'économie française, l'économie qui était un peu emprisonnée, on peut dire, concernant certaines lois. Depuis Napoléon, c'est vrai, certains changements n'ont pas été effectués. Mais certaines lois de Macron, bien sûr, ce n'était pas seulement de Macron, c'était de peut-être un groupe de pensées qu'ils ont décidé en même temps. À l'époque, il ne faut pas oublier, il y avait Jacques Attali aussi, qui avec son clé OSP, il était allé voir le président de la République, le projet, ça existait. Mais comment on peut le faire marcher, c'est ça qui est très important. Et l'autre chose, avant tout, c'est François Hollande qui était derrière Macron, c'est-à-dire il a soutenu dès le départ. C'est François Hollande qui l'a donné le champ libre à Macron pour pouvoir naviguer et pour faire des changements énormes, on peut dire, dans l'économie française. Et il ne faut pas oublier certains projets et certaines lois et baisse des frais chez les notaires, chez les huissiers, l'ouverture de marché, soi-disant les bourses, vous êtes au courant, les bourses actuellement, et les emplois qu'il a pu créer concernant la réduction et laissant libre le marché de circulation, on peut dire, ça a aidé pour créer des emplois. Même l'histoire du Uber, c'est vrai qu'une grande partie, la totalité des taxis étaient contre. Moi, je ne donne pas mon avis, je ne dis pas que je suis pour ou contre, mais c'est pour être informé. Et certains qui n'avaient pas du travail, ils ont pu trouver du travail grâce à tous ces projets-là. Alors vous, qu'est-ce que vous en pensez, si vous avez des avis différents? C'est-à-dire, actuellement aussi, vous savez, avec la mondialisation, on ne peut pas rester fermé dans l'ancienne économie, dans l'ancien système. Une chose qui c'est très intéressant aussi parmi les réformes de Macron,
qui a pris le nom de Macron, c'est les biens non saisissables. C'est-à-dire, si vous voulez créer une entreprise, si vous voulez créer une société SARL, et si vous voulez commencer à bosser, à travailler sur votre compte, déjà, il y en a d'autres avantages qui a été voté il y a dans le projet de Macron. Mais vous, si vous avez des biens, si vous avez des appartements, je ne sais pas, des fonds de murs, de commerce, vous êtes propriétaire, dès que vous créez votre société, vous pouvez aller voir votre notaire et vous pouvez annoncer et indiquer et enregistrer comme quoi votre bien ne peut pas être saisi si votre société est en faillite, même si on vous a pris de caution personnelle. C'est-à-dire non saisissable des biens personnels en cas où vous êtes en faillite dans les sociétés que vous avez créées. Certaines lois sont comme ça. Ça permet aux gens d'avoir le courage d'aller dans le marché et de travailler. C'est pour ça que de temps en temps, vous voyez Fillon et Macron, leur projet, ça s'approche. On dit Fillon, c'est MEDEF qui est avec lui, et Macron, c'est mondialisation. Mais les deux, ça touche. De toute façon, c'est l'économie, faire bouger l'économie. Alors, si à la fin, j'en sais pas, un des deux, il est dans le deuxième tour au Fillon, au Macron, puisque ce soir, on a donné un petit sondage, des pourcentages, des gens qui vont aller dans le deuxième tour. Deuxième tour, malheureusement, puisque Benoît Hamon et Mélenchon ne peuvent pas être ensemble dès le premier tour, ils ne peuvent pas, c'est impossible, on vient de le dire. C'est entre trois têtes qui va jouer le parti, Madame Le Pen, Macron et Fillon. Ces trois-là, premier tour, après deuxième tour, où sera Macron, où sera Fillon, et tous les deux vont être unis, bien sûr, avec les autres, c'est-à-dire pour ne pas laisser Madame Le Pen passer. Et ça sera l'histoire de Jacques Chirac face à Jean-Marie Le Pen. Mais mon avis, à ce jour-là, quelques semaines, petites semaines, aux élections présidentielles, je crois que Madame Le Pen va être première, il va faire 30%, Macron aux environs 20%, moins 20%, Fillon moins 20%, et ces trois-là va être décisif pour le deuxième tour après, et les autres malheureusement ne vont pas toucher trop, surtout qu'actuellement avec l'histoire des gauches qui ne sont pas unies, Mélenchon, je ne pense pas qu'il va aller à deuxième tour. Voilà, que pensez-vous mes chers amis? Vous avez la parole et vous pouvez vous exprimer en composant le 08 92 23 95 20. On vient d'entendre au départ de mon émission également comme quoi, malheureusement, triste attentat à Saint-Pétersbourg, la ville de Poutine. Et Poutine était présent également, ville natale de Poutine. Et malheureusement, on vient de dire que c'est les islamistes. Oh, ils sont en train de quitter, soi-disant, l'Irak et la Syrie. Alors, malheureusement, il commence là-bas. Mais je suis conscient que c'est des menaces qui existent, sans aucun doute, parce que quand on fait la guerre, c'est la guerre. Mais la force de l'Occident va écraser cette fanatisme. Et surtout que les musulmans sont à côté de la civilisation occidentale. Et c'est une petite poignée de main, les imbéciles qui sont tombés dans le piège des grands établissements internationaux qui vont voler le pétrole d'un côté, de l'autre côté créer des conflits pour profiter. Et toujours il y a des gens manipulables. C'est des gens manipulables, ces individus qui sont manipulables. Vont pas rester dans le champ de combat assez longtemps, vous allez voir, tout ça va être terminé, mais ça va prendre du temps,
et ça va prendre des décisions que les gens qui vont prendre le pouvoir. Votre vote va être assez important, mes chers amis, pour l'avenir de votre pays, pour la France surtout, pour faire face à cet danger réel qui existe, radicalisme qui est en train de tuer jour après jour. Il ne doit pas passer de frontières de l'autre côté. Et cette triste tragédie à Londres, en Espagne, en France, aujourd'hui à Saint-Pétersbourg, ne devait plus répéter, mes chers amis. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM et dans le monde entier par internet, icietmaintenant.com. L'humeur du temps présentée par David Abassi, écrivain et historien, tous les lundis et chaque dernier samedi du mois dès 23h. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20.
Alors, quand on dit, c'est vrai, Betty, elle a tout à fait raison, quand on dit le danger est très réel, et le danger est très important, et il faut réagir, il ne faut pas dire n'importe quoi, comme quoi le danger va passer. Écoutez, toujours il faut avoir l'espoir de pouvoir finir une guerre. Parce que la guerre, toujours, ce n'est pas le bienvenu. C'est bien d'être intelligent pour finir les guerres. Mais c'est vrai, de temps en temps, ce n'est pas à vous de décider, surtout dans le conflit international qui existe. Cet conflit, quand ça commence, après on ne peut pas, comment on peut l'arrêter? Par exemple, l'histoire de cette guerre récente, qui a commencé, on peut dire, on va oublier l'Afghanistan, on va l'oublier l'Irak, même on va mettre de côté, pour soi-disant, celle de Libye, que ça continue. Mais c'est la Syrie, l'histoire de Bachar Assad. On a décidé de shooter Bachar Assad, mais malheureusement, cette décision qui aujourd'hui est abandonnée par tous les pouvoirs, c'est-à-dire à ce jour-là, vous ne voyez aucun dirigeant de n'importe quel pays qui dit, voilà, il faut éliminer Bachar Assad, il faut finir Bachar Assad, il faut qu'il quitte le pouvoir. C'est pour ça qu'il est très intéressant de regarder en détail que de Trump jusqu'à l'Europe, et même en Israël, Benjamin Netanyahu, il préfère que Bachar Assad reste au pouvoir, que les autres prennent la place de Bachar Assad. Parce que les autres, n'importe quel mouvement qui est, ce n'est pas des mouvements laïcs, c'est des mouvements, ils disent, terroristes, intégristes, djihadistes. Si ce n'est pas, soi-disant, chiite, c'est de l'autre tendance religieuse. C'est-à-dire, ils pensent maintenant que ça serait mieux de garder cette personne qui n'est pas islamiste, qui n'est pas djihadiste, que donner le pouvoir aux djihadistes. Même Trump, c'est-à-dire c'est l'administration américaine, c'est le système de renseignement, le système Pentagone américain qui dicte certains sujets stratégiques. Il donne la même analyse qui est Poutine. Même analyse que l'Europe. Mais c'est vrai, de temps en temps, on mise sur certaines personnes, sur certains mouvements, c'est comme dans les élections. On mise, on dépense de l'argent, mais on perd. C'est-à-dire, on ne savait pas ce qui va passer en Syrie. Si, dans le cœur du Moyen-Orient, vous enlevez un régime qui est bassiste, au moins il n'est pas islamiste, hein? Et remplacez-le par les mouvements islamistes, ces mouvements islamistes, le danger va être encore pire que ce que vous pouvez constater actuellement dans tous ces pays-là. Il se passe, une fois qu'ils ont le pays, comme question de Palestine, le peur qu'on a, le monde, il a de donner un État aux Palestiniens, un État indépendant, avec la police, avec l'armée, avec tout ça, cette peur qui existe, c'est pourquoi, puisqu'ils disent, on ne sait pas s'ils sont demain armés, même s'ils ont un pistolet, est-ce qu'ils ne vont pas commencer à tuer les innocents? Et cette non-confiance a ramené qu'à ce jour-là, même vous avez entendu aujourd'hui, que même les Américains, même Trump, Donald Trump, qui au départ avait d'autres projets, il veut garder Bachar Assad et ils disent c'est mieux que les islamistes prennent le pouvoir. Alors de l'autre côté, ce que tout à l'heure Frédéric, il nous a téléphoné en disant, Frédéric, il dit, et qu'est-ce qu'on doit faire concernant les djihadistes qui vont être en retour vers leur pays? Ça c'est quelque chose qui est très important, mais malheureusement l'État, il pense à ça, mais il ne peut pas le dire, il ne peut pas l'annoncer. Mais il y a une collaboration avec les pays concernés. Mais encore, là, il y en a des problèmes, puisqu'actuellement, vous n'avez plus de pouvoir
islamistes. Pouvoir, comme je dis, c'est des pays qui ont le pouvoir, c'est des gouvernements. Vous en avez plusieurs pouvoirs actuellement. Ce n'est pas seulement l'Arabie Saoudite d'un côté, la République islamique d'Iran de l'autre côté. Vous avez la Turquie. Turquie aussi, c'est une force. Maintenant, grâce à l'argent qu'il a obtenu, qu'il a gagné depuis 30 ans, l'économie turque est très très forte. Et cette économie qui a ouvert, on peut dire, la caisse d'État, on peut dire, envers son peuple. Maintenant, les Turcs, l'État et la situation économique qu'ils ont, c'est 500% amélioré concernant les 10, 20, 30 dernières années. C'est pour ça qu'il est devenu une force qui peut faire face, qui peut insulter l'Occident même, vous voyez, mais voilà. Avant, il avait fait ça contre Shimon Peres. Il a attaqué Shimon Peres à l'époque, il y a déjà quelques années. Les forces islamistes, d'un côté, c'est les forces djihadistes qui ont... Que, il y a une aide de la part des pays. Et tous ces pays-là, actuellement, ils font face à la civilisation judéo-chrétienne. Et cette face à la civilisation judéo-chrétienne, c'est vrai, malheureusement, ça donne des victimes, et ces victimes-là, qu'ils soient Charlie Hebdo, Bataclan, Nice, à Londres, en Espagne, et tout à l'heure, à 14h pile, la ville natale de Poutine, Saint-Pétersbourg, le métro surtout, l'endroit qu'il y a, le peuple se déplace dans le métro. C'est-à-dire, ils sont tellement aveugles, ces assassins, les pauvres gens qui vont prendre le métro, ils doivent être victimes. Tout à l'heure, on disait 11 tués, une cinquantaine blessés. Sans aucun doute, parmi les blessés, il y a encore... Et ça, c'est cette catastrophe, vous avez raison. Vous avez raison d'être inquiet. Vous avez raison d'être inquiet, mais... Que pensez-vous alors? Qui peut améliorer cette situation et comment on peut l'améliorer? Et si vous pouvez, en vous exprimant dans les élections, surtout présidentielles, jouer le jeu assez fort, comment vous allez le jouer? Comment vous allez jouer pour au moins la sécurité du monde? Parce que la paix, c'est bien qu'il soit pour le monde entier, également pour les pays qui nous sont dedans, notre pays et pour le monde entier. Regardez, on est, comme moi je me rappelle très très bien, puisque j'écoute en plusieurs langues les informations, même les Russes à l'époque, quand il y avait question de Charlie, ils disaient nous sommes tous Charlie, nous sommes tous Nice, maintenant aussi nous sommes tous Saint-Pétersbourg, c'est-à-dire quand une partie du monde est touchée par ces terroristes, tout le monde est triste. Mes chers amis, vous avez la parole et vous écoutez votre radio ici maintenant sur 95 2FM. 08 92 23 95 20. N'oubliez pas que vous pouvez nous regarder également en tapant ici-et-maintenant.com, ici-et-maintenant.com. Sinon, 08 92 23 95 20. C'est le numéro de la radio ici maintenant qui n'a pas changé. Comme d'habitude, mes chers amis, nous sommes là à votre disposition. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM et dans le monde entier par internet, ici-et-maintenant.com. L'humeur du temps présentée par David Abassi, écrivain et historien, tous les lundis et chaque dernier samedi du mois dès 23h. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. Bonsoir, Monsieur Bachir. Oui, bonsoir, Monsieur David. Comment ça va? Bien,
Ça va bien, ça va bien. Et vous, et vous-même? Ça va, enfin, mais malheureusement, c'est triste. Oui, donc j'interviens, oui. Mais donc ça va être plus porté sur quelque chose, enfin, la discussion ça va être plus par rapport aux mots qui sont utilisés, par exemple, djihadiste, islamiste, par rapport à des personnes qui sont dans des actes de criminalité. Et c'est comme si que, par exemple, vous voyez, pour être compréhensible, par exemple, un chrétien, s'il commence, s'il commence à tuer, ben, il perd l'étiquette de chrétien. Oui. Il n'est plus chrétien. Ses actes ne sont pas des actes liés à sa religion, c'est des actes qui lui sont personnels. Et il a tué, et c'est pareil pour ceux qui sont en train de tuer en Syrie, enfin, pour ceux que le Daesh, tout ça, ce sont pas des islamistes, ils n'ont rien à voir, ces gens-là, avec l'islam. Ce sont pas des djihadistes, parce que les djihadistes, c'est un combat sur soi-même. Donc, il y a un problème de donner des noms. Et c'est ce qui fait la confusion dans les mondes par rapport aux informations, c'est qu'on donne des étiquettes à des gens qui ne méritent pas ces étiquettes-là. Et qui sont en dehors de l'islam, ils sont complètement en dehors de toute pensée liée au djihad. Le djihad, c'est un combat pour combattre ses défauts, enfin, c'est-à-dire d'évoluer, quoi, et pour être le meilleur, enfin, agir pour toujours faire sortir le meilleur de soi-même. Donc, et tous ces démons, tous ces égos violents qu'on peut avoir, enfin, ces défauts, on doit les chasser et les convertir en quelque chose de meilleur. Donc, il y a un problème dans les informations, et c'est ce qui entretient justement la division par rapport au monde, l'islam par rapport au monde. Donc, il y a un problème. On entretient les guerres avec des mots qui sont mal utilisés. Parce que si, par exemple, quelqu'un qui se dit chrétien commence à tuer, bon, après, si on dit les chrétiens, les gens vont dire « Oh, c'est chrétien », et puis dès qu'ils entendent un chrétien, ils vont avoir de la haine sur le chrétien. Oui. Mais Bachir, oui. Tu permets que je te pose deux questions. Oui. Déjà, tu sais, depuis 35 ans, tu n'as pas 35 ans maintenant, je crois, non? Voilà. Mais depuis déjà 35 ans, j'ai dit, David Abbassi l'a dit, quand on est en train de parler de quelqu'un ou de quelque chose, on n'a pas le droit de ramener quelqu'un d'autre ou un autre chose comparé avec ce qu'on est en train de parler. Déjà, c'est la première chose. C'est-à-dire, si on est en train de parler d'Abdallah, on n'a pas le droit de ramener Bachir. Puisque Bachir, il a fait ça, Bachir, pourquoi on n'a pas fait ça? Alors, Abdil, non. Si on parle de Mathieu, de Frédéric, de Marx, je ne sais pas qui, on n'a pas le droit de dire, oh, Brigitte aussi, non. Cette comparaison, comparer des choses, moi, je n'aime pas, et en plus, ce n'est pas ni philosophique, ni rationnel, ni réel. Est-ce que déjà ça, tu es d'accord avec ça ou non? Oui, merci. C'est-à-dire, il y a quelqu'un, Antoine, je ne sais pas qui, et il est allé voler quelque chose, on l'arrête, on dit pourquoi tu as volé ça, il a dit puisque
Frédéric aussi, hier, il a volé. Non, maintenant, on est en train de parler de toi. C'est pour ça que toujours j'avais dit, quand on est en train de parler d'une philosophie, on ne va pas le comparer. Puisque chaque philosophie a notre période, notre époque, c'est radicalisme, djihadisme, cher Bachir, de l'islam. C'est-à-dire, personne déjà ne dit pas que les musulmans sont djihadistes, terroristes, non. Mais moi-même, tout à l'heure, j'ai dit une petite poignée de mal. Déjà, autre chose que Bachir, s'il te plaît, depuis toujours j'avais dit, et je veux bien que... Non, autre chose qui est très importante, tu sais, c'est quoi Bachir? On va voir des choses très intéressantes ce soir ensemble. Puisque je t'aime bien Bachir. Regarde Bachir. Oui. L'individu que tu es, Bachir, Abdal, Mohamed, l'individu, toi, tu es un homme de Dieu. Tu as l'esprit de Dieu en toi. Toi, tu n'es pas terroriste. Excuse-moi, je dis comme ça. Toi, quand je dis, c'est toi, non. Toi, tu n'es pas mal. Tu n'es pas le ténèbre. Tu es gentil, tu es bien, tu es la lumière. C'est quoi qui est le ténèbre? C'est quoi qui est mal? C'est quoi qui rend l'individu... non supportable. C'est quoi? C'est l'idéologie, Bachir. Alors, l'idéologie est condamnée, surtout l'idéologie qui ordonne de tuer les autres. Est-ce que tu connais, quand tu parles, parce que toi, excusez-moi, hein, puisque moi, je ne voulais pas parler à ce sujet, mais puisque pour rendre hommage au Saint-Pétersbourg aujourd'hui, David Abbassi, de nouveau, avec Bachir et les autres, on va partager cette opinion, on va parler. Bachir, oui. S'il te plaît, l'idéologie, est-ce que tu connais bien l'islam quand tu dis que ces gens-là ne sont pas islamistes? On ne dit pas qu'ils sont musulmans et terroristes, on dit islamistes. Radicalisme, quand on dit, c'est-à-dire c'est des mots qui sont bien utilisés, c'est le chef d'État du monde entier l'utilise maintenant. Maintenant, le chef d'État du monde entier, il parle de radicalisme, de djihadisme, de l'islam politique, comme quoi c'est dangereux, l'islam politique, djihadisme, c'est-à-dire ce sont des expressions que tous les chefs d'État, sauf d'autres cas, n'utilisent pas. Mais moi, je te pose une question, s'il te plaît, Bachir. Est-ce que toi, tu connais bien l'islam quand tu dis l'islam politique n'est pas terroriste? Justement, non. Voilà. Tu sais, malheureusement... Parce que c'est l'association, c'est-à-dire que si... Tu peux parler un peu plus fort, s'il te plaît? Prends le combiné. Je ne connais pas trop, et donc ce sens où, pour les personnes qui ne connaissent pas, il y a une association qui est faite avec les mots. Ces mots-là sont liés à la même chose autour de l'islam, des musulmans, autour de... C'est l'association qui est faite. Oui, parce que ça existe. C'est la réalité, mon cher Bachir. Tu sais, cette chose-là, il existe. Ce qu'on dit, ce que le monde entier aujourd'hui dit, radicalisme, islamisme, djihadisme, ça existe. Regarde, toi, si je te demande, Bachir, de lire un verset du Coran, je suis sûr que tu ne peux pas le lire correctement. Ou tu peux lire correctement, tu peux lire? Non, je merci, pas merci. Regarde, toi que tu ne peux pas lire un seul verset de Coran correctement, tu viens, mon cher ami, tu dis que quand on dit islamiste, tu as dit cette association de gens, c'est pas... non, c'est la réalité. Parce que l'individu, mon cher ami, qui ont exécuté les individus qui ont exécuté plusieurs milliers de personnes en Irak, en Syrie, qui sont coupé la tête des gens, qui ont pris les femmes comme esclaves, qui ont vendu les femmes de ces pays-là aux Saoudiens, je ne sais pas au qui, tous ces gens-là, tout ce qu'ils faisaient, c'était en lisant les versets du Coran. C'est-à-dire, ils avaient des versets de Coran pour faire ça. Et ça, c'est islam politique, ce n'est pas ton islam.
Mais ça, c'est l'islam politique. L'islam politique, ce sont les gens, mon cher Bachir, qui prennent une partie des versets du Coran qui concernaient la période des attaques du prophète de l'islam quand il a fait ça au départ. Il prend ça en main et l'utilise aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il recourt 1400 ans. Il y a déjà 1400 ans, si prophète d'islam, il avait des problèmes dans son quartier, dans les villes qui sont Makkah ou Yathrib, qui deviennent Médine, etc., qui fait les attaques. Enfin, lui-même, il ne dit pas la guerre. Lui-même, il ne dit pas la guerre, puisque la guerre, c'est entre deux l'armée. C'était des brigades qui attaquaient les tribus. Les brigades, quand ils faisaient le rasva, les attaques, ou même quand ils faisaient des attaques, il y avait des versets, ces versets-là existent dans le Coran. Ces criminels, ces gens djihadistes, criminels, assassins, invoquent, ils utilisent l'islam politique pour les buts politiques et ils tuent les gens. Et c'est leur islam à eux. C'est-à-dire, ce n'est pas ton islam. En plus, ici, Bachir, ce n'est pas l'individu qui est en cause. Puisque l'individu, chaque instant, il peut changer d'avis. Tu sais, il y a des centaines de djihadistes, je suis au courant, qui soient européens, américains ou d'autres pays, et même une grande partie quand on les avait arrêtés en Syrie et en Irak, une fois qu'ils sont arrêtés, une majorité de ces gens-là, ils abandonnent l'islam politique. Ils vont être repentis. Et ils renoncent à tout ce qu'ils ont fait et ils demandent pardon. Après, je ne sais pas si on le pardonne ou on le tue ou ça, c'est autre chose. Mais je suis informé, tout le monde aussi est informé, que l'individu, une fois qu'on parle avec lui, on dit pourquoi tu as tué les enfants, pourquoi tu as tué les femmes, tu as gorgé les gens. Alors, malheureusement, on en a vu à la télé, à la radio, dans les vidéos, combien de têtes ils ont coupées. Couper la tête. Il y a les versets. Il y a des versets dans le Coran. Mais ça concernait, il y a déjà 1400 ans de Bachir. Alors, ce que vous devez dire, Bachir, des domaines, il ne faut pas dire, il ne faut pas associer le mot avec... Non, ce qu'on va dire, c'est ça. Un, l'individu, il est innocent. Deux, c'est l'idéologie de l'islam politique qui est en cause. Il faut critiquer et dénoncer l'idéologie de l'islam politique. Il ne faut pas avoir peur de prononcer le mot islam politique à côté. Une invention de David Abbasi en 1981. Et selon certaines choses que je savais de l'histoire de l'islam, j'ai inventé ce mot islam politique. C'est à moi. La laïcité... Pardon ? Il y a 35 ans, quoi. Oui, j'ai inventé ce mot et maintenant c'est utilisé partout dans le monde. Tous les musulmans qui vont aller aux mosquées ou faire leurs prières, qui sont gentils, humains, qui travaillent fraternellement avec de grandes sympathies partout dans le monde entier, qu'ils soient en France, ces gens-là n'ont aucun rapport avec l'islam politique. Islam politique, c'est des individus qui sont manipulés. En plus, ils sont manipulés. C'est l'individu qui sont contre un vogue manipulable. Ils sont manipulés, ils utilisent les versets du Coran qui concernaient les guerres de prophètes de l'islam, Mahomet lui-même. Il concernait lui-même, il faisait la guerre. Il a fait lui-même, il a fait pas la guerre, attaque. Il a fait 63 actes de commando. Il a attaqué certaines tribus, certaines caravanes, etc., etc. Et pourquoi ? Parce qu'il y a déjà 1400 ans, on ne va pas entrer dans l'histoire. Mais aujourd'hui, à ce jour-là, un gentil monsieur, tout un coup, s'il va aller en prison, ou s'il va aller quelque part, il n'a pas l'argent dans la poche, il ne faut pas aller vers la caisse de pétrodollars, et il soit manipulé, et il devienne... Il laisse pousser la barbe, après il lit 4 versets du Coran et couper la tête et prendre les femmes comme esclaves et les vendre à droite à gauche. Et en plus, Bachir, tous les gens qui disent ça, ce n'est pas l'islam, ces gens-là ne connaissent rien de l'islam. Mais l'individu, tous les grands chefs religieux qui soient... Est-ce que tu as entendu les fatwas
que les clergés d'Arabie Saoudite ils ont donné. C'est-à-dire quand ces gens-là ils ont massacré les gens en Syrie, en Irak, ils avaient le fatwa. Ça existe sur l'internet, vous pouvez taper et trouver. Il y avait le fatwa des clergés musulmans qui disaient que vous pouvez tuer ces femmes-là en considérant l'islam politique, en prenant compte des versets qui existent. Alors, troisième chose, parce que je viens de dire l'individu, il est bien. Deuxièmement, c'est l'islam politique qui est en cause. Troisièmement, tous les musulmans, surtout le chef et le peuple, doivent dire qu'une partie des versets du Coran n'est plus utilisable à ce jour-là. Une partie des versets du Coran qui ordonne de tuer les gens ne doit être figuré, ni être lu, ni les enfants ne doivent pas les apprendre. Ce que je te dis, Bachir, ce n'est pas la parole d'aujourd'hui de David Abbasi. Dès la naissance de l'islam, cette guerre existait. Une grande savante comme Ibn Khaldoun. Tu connais Ibn Khaldoun? Non, Ibn Khaldoun, c'est un grand sociologue musulman, c'est un grand philosophe, c'est un grand historien musulman. Farabi, Razali, je vais vous donner de noms autant que vous voulez, Zakaria Razi, beaucoup de grands savants musulmans depuis 1400 ans à ce jour, ils disaient qu'une partie des versets du Coran n'est plus utilisable à ce jour-là. Mais personne ne dit pas ça. En plus, les politiques non plus, puisqu'ils ne savent rien, ils ne connaissent rien. Une partie de verset du Coran n'est plus utilisable. N'est plus utilisable. On dit en arabe « nasikh wa mansour », c'est-à-dire « annulé » et « annulant ». C'était « annulé ». C'est le Coran même qui dit ça. C'est-à-dire ce n'est pas quelque chose que moi je dis contre ou patatino. C'est le Coran même, il dit une partie de versets de Coran est annulée et était remplacée par d'autres choses. Et tous les versets... Le Coran étant créé, on ne peut pas le modifier. Pardon ? On peut pas... Tu peux parler un peu plus fort ? Tu prends le combiné pour le proche de ta bouche. Parce qu'on dit que le Coran est créé. Et donc on ne peut pas changer... Non, c'est des mensonges. Tu habites au 21e siècle en France, à Paris, un type intelligent que je te connais pour tes interventions, je t'écoute. Ouais. Écoute, tout ce que les clergés nous ont dit, c'est des mensonges. Déjà, il faut aller voir c'est qui le Dieu et comment est-ce qu'il est le Dieu. Après, pour voir que s'il a dit des paroles. Et deuxième chose, que si sa parole, c'est changeable ou non. Dans le Coran même. D'interpréter autrement. Les... Non, il n'y a pas de question d'interpréter. Écoute, Bachir, puisque je suis désolé, toujours, tout ça, ça arrive puisque vous ne lisez pas le Coran. Quand tu lis le Coran, tu vas voir que dans le Coran même, il y a beaucoup de changements d'idées concernant boire le vin. Buvez le vin. Dans le Coran, il y a plusieurs versions. Fais la prière, il y a plusieurs versions. C'est-à-dire, si ce qui te vient de dire qu'on ne peut pas bouger les choses, comment ça se fait que dans le Coran, eux-mêmes, ils ont bougé des choses? C'est-à-dire, un jour, il dit ça, le lendemain, il change d'avis. Tu comprends, papa? Alors, c'est pour ça, il ne faut pas oublier d'autres choses. Rien n'est sacré, sauf toi, ta famille, ton pays, et des êtres humains. Rien n'est sacré. Comment ça se fait? Le monde entier, depuis éternel à ce jour-là, ils ont critiqué le Dieu. Il y a des millions de gens athées, laïques, agnostiques. Depuis toujours, tous ces gens-là, ça a existé. Alors, comment ça se fait que dès qu'on va critiquer un verset du Coran, que le Coran même, il le critique. Vraiment, je te lis en arabe. Je te lis en arabe, je suis désolé pour le français. Il dit, nous, nans nasr, ça veut dire annuler. C'est un verset du Coran. Il dit, nous n'annulons aucun verset quand on leur amène quelque chose mieux que ça à sa place. C'est-à-dire, dans le Coran même, il dit une partie des choses, c'est annulé. Et toi, tu vas croire que ça, c'est sacré, il ne faut pas le toucher, baba. Enfin, il y a certaines personnes qui utilisent ça, enfin justement,
djihadistes qui se servent de ça pour tuer, quoi. Les voilà. Paroles, ils vont pas tenir compte, ils vont pas l'annuler. Alors si moi et toi et les êtres, on commence à dire si les gens politiques de notre pays, c'est les hommes politiques, et les gens qui ont le média, s'ils ramènent même les intellectuels des pays musulmans. Tu sais, ce que je viens de te dire, dans les pays musulmans, vous faites des recherches, vous allez voir qu'ils sont en Égypte, Liban, Algérie, Maroc, même en Arabie Saoudite. Même en Arabie Saoudite, partout dans le pays musulman, vous avez des intellectuels musulmans qui sont d'accord avec ce que David Abbasi vient de vous dire. Alors, il suffit de lire, il suffit de vous rappeler de Salman Rushdie et de Nassim Taslimé. Salman Rushdie, c'est un musulman. S'il a écrit quelque chose, peut-être moi et toi, on n'est pas d'accord avec lui, tu comprends? Mais quand même, c'est un musulman. Il se permet de critiquer le prophète de l'islam. Madame Nassim Taslimé, et comme elle, vous en avez plusieurs millions de gens, pas milliers, dans les pays musulmans. Écoutez, faites des recherches, vous allez voir actuellement beaucoup de gens de la Syrie, d'Irak, même d'Arabie Saoudite, ils sont en contact avec moi, je connais ces gens-là. Ils sont sortis de leur pays, ils sont aux États-Unis, ils sont aux Pays-Bas. Ah, c'est des musulmans. Mais ils disent ce qu'on dit, ils disent le Coran, partie, c'est versé, c'est annulé. Ils refusent l'islam politique. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que bon, les personnes qui acceptent l'annulation, c'est ok tout ça. Mais bon, moi, ce que je veux vous dire, c'est que par rapport à cher Bachir, je t'en prie, parle un peu plus fort, voilà, oui. Ceux qui font les actes de cruauté, je ne pense pas que la seule idéologie soit le moteur de ces actes. Il y a quelque chose de beaucoup plus profond. C'est quoi alors, à ton avis, le moteur, c'est quoi? C'est quelque chose, un affect intérieur violent. C'est des gens qui ont, à mon avis, une très grande souffrance ou qui ont vécu des choses très dur et qui reproduit cette violence en utilisant parce que le seul intellect n'amène pas s'il n'y a pas une violence intérieure qui est là pour amener à tuer, parce qu'il faut une rage, il faut ou alors c'est des psychopathes, je sais pas. Tu as raison, parce que tu sais, tous les candidats, presque tous les candidats, moi j'ai les entendu, sur une chose ils sont d'accord. Comme quoi, égalité d'éducation. Il faut éduquer les gens, c'est-à-dire dès le départ, tout le monde, tous les candidats, ils sont d'accord avec ça, qu'ils soient extrême gauche, extrême droite, au milieu, tout le monde sont d'accord que c'est vrai, l'État, il a une responsabilité de tuer la discrimination, tuer le racisme, et donner une égalité d'éducation dès l'école, dès le maternelle, donner une égalité de chance et d'éducation à tout le monde, jusqu'à moment où on va donner du travail aux gens, une égalité de chance et de travail. Ça, tout le monde est d'accord avec ça, ça t'a raison. Mais mon cher ami, tout ça, ça ne va pas donner raison à l'individu que c'est un criminel. Il entre en prison et il sort de prison, il devient djihadiste. Ces gens-là, avant tout, c'est le grand clergé musulman, c'est le patron des mosquées qui doit manifester, faire des réunions et dire « Monsieur, une partie des versets du Coran est annulée. Vous n'avez pas le droit de maintenir ces versets-là et sortir de prison et tuer les gens. » Mais ils ne disent pas. Dans les pays musulmans, ils disent, mais ici c'est très rare. S'il y en a un clergé qui dit ça, l'autre jour, parce que je connais des clergés courageux qui disent ça, l'autre jour je le vois avec quatre garde-cœur. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il a dit, je suis menacé, on va me tuer. C'est-à-dire, l'individu, il est en Occident, mais puisqu'il est intelligent, il n'est pas ignorant. Parce que je te dis une chose, Bachir, c'est ignorance
qui ramène la violence, ignorance. C'est ignorance. Les gens, ils deviennent en vogue. Ils pensent, ok, d'accord, puisqu'il est en prison, il sort, peut trouver un boulot, c'est difficile. Je te comprends ce que tu dis. Il pense qu'il va aller au paradis, il va avoir 72 vierges, ok. Bon, d'accord. Mais si on le dit, monsieur, paradis, quand tu as dit, n'existe pas. 72 vierges n'existent pas. Le Dieu, il n'a pas une maison close. C'est ignorance, c'est imbécilité. C'est imbécilité. Oui, il y a l'imbécilité déjà par rapport au fait qu'ils disent qu'ils ont 70 vierges. Si elles sont toujours vierges, c'est que personne n'y a touché. Toi, si il est marié seulement, je suis désolé, mais c'est la vérité, je vais le dire pour rester dans l'histoire. L'individu, s'il a une femme, il ne peut pas satisfaire sa femme seulement. Et comment il va faire 72 vierges? Et comment ça, où est-ce que le Dieu il a fabriqué tous ces paradis? Ton physique qui ça y est, il est parti. S'il y a une éternité pour l'esprit, c'est ça le travail des savants. Le travail des savants, c'est que si on, même s'il y a réincarnation, c'est la réincarnation, Mo'ad, on dit en arabe, Mo'ad jismani, c'est-à-dire le retour de cœur, de cadavre, non, Mo'ad elmani, c'est-à-dire c'est le retour de l'esprit, ça peut exister, retour de l'esprit, c'est-à-dire l'esprit est éternel. Mais le Dieu, il n'est pas la compagnie Vinci, ni le Buick pour fabriquer des paradis. En plus, 72 vierges pour chaque. De toute façon, tout ça, c'est de l'imbécilité, Bachir. Imbécilité, ignorance. S'il se marie, ce gars-là, même sa femme, il ne peut pas satisfaire sa femme tous les jours. Parce que moi, depuis des années, j'essaie de. Régler certains problèmes de, des gens qui sont membres de mon association, des amis qui jouent. Tout le monde a des problèmes, ne peut pas faire ça. C'est sa femme. Ces gens-là, comment ils peuvent être tellement cons d'aller tuer les autres pour gagner 72 vierges? C'est des cons, ça, ces gens-là. C'est-à-dire l'ignorance d'un côté et de manipulation de l'autre côté, politisation de l'islam de l'autre côté. Oublier la parole du Coran, même qu'il dit une partie des versets s'est annulée. Et c'est tout ça qui nous ramène à ce point-là. Et c'est vrai que, moi je veux dire que les médias, au lieu de tous les jours attaquer à droite, à gauche, les médias, ils doivent avoir un rôle assez important pour éduquer les gens, pour informer les gens. C'est-à-dire ceux qui ne connaissent pas tout ça, donc c'est l'association des mots qui peuvent après, eux de leur côté... avoir peur après de l'islam. Ah non, de l'islam politique, tout le monde va avoir peur, oui. Puisqu'il est en train de tuer. Il a tué tout à l'heure à 14h à Saint-Pétersbourg. Et il tue tous les jours en Pakistan, tu n'as pas entendu, en Irak. Et tous les jours, on est en train de tuer des dizaines et des centaines de jeunes. Et on le tue au nom de l'islam. Il dit, toi, tu n'es pas musulman, alors tu mérites d'être tué. Vous n'avez pas entendu combien d'attentats il y en a dans les pays musulmans tous les jours? Et ça continue. Et ces gens-là, ils sont tellement violents, aveugles. Mais ici, nous devons travailler. Il ne faut pas, si les gens comme David Abbasi, ils viennent vous donner des informations qui sont réelles, l'individu qui ne connaît rien de sa vie. Alors, de sa vie, il ne connaît rien. Après, il vient de dire, oh, l'islam, le Coran, c'est sacré, oh, C'est ces gens-là aussi qui sont en cause. Il n'essaye pas d'apprendre des choses. Il n'essaye pas de lire. Au moins, vous lisez un bouquin par jour, par semaine. Voilà, notre ami Bachir est parti, puisque c'est le temps, vous voyez, quand vous restez, il est en limite. Mais vous avez encore la parole, puisqu'il reste encore du temps, mes chers amis. Vous écoutez votre radio ici maintenant sur 95 de FM, mes chers amis. Alors, 08 92 23 95
20. On était ravis de parler avec Bachir. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM et dans le monde entier par internet, icietmaintenant.com. L'humeur du temps, présentée par David Abassi, écrivain et historien, tous les lundis et chaque dernier samedi du mois dès 23h. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. Alors, parmi les musulmans, un témoignage de David Abassi, le courage qu'une partie de ce peuple ont, c'est admirable. Le courage des Berbères, de Kabylie, ce courage qu'ils ont pour parler d'un islam tolérant, des musulmans gentils, et de l'autre côté, dans un islam politique, violent, radical. Et également les Kurdes. Les Kurdes aussi, actuellement, une grande partie des Kurdes, que vous savez, ils sont dispatchés, les Kurdes, dans 4 pays. Après la Première et Deuxième Guerre mondiale, néocolonisation a partagé le peuple kurde. C'est un peuple très, très courageux. Pendant des siècles, ils étaient au pouvoir côté de Mésopotamie. Ils ont eu peur de ce peuple qui est très courageux comme le Kabyle en Nord d'Afrique. Alors les Kurdes, ils les ont partagés en Syrie, en Irak, en Turquie et en Iran. 4 pays pour que jamais ils ne deviennent pas unis. Et heureusement, actuellement, le côté l'Irak, c'est-à-dire Kurdistan d'Irak, après la chute de Saddam Hussein, est à la main de Kurdes. Et ces gens-là, vous devez aller voir. Moi, je n'étais pas allé voir, mais je le sais, je connais, puisque je vois les gens qui viennent de là-bas. Je suis en contact avec les dirigeants, là, tu sais. Ils sont en train de créer, s'il y a un paradis, à Arbil. Il y a beaucoup de Français qui travaillent là-bas. Je ne sais pas s'il y a des gens qui nous écoutent, ils peuvent témoigner. C'est-à-dire depuis qu'ils ont presque leurs indépendants, mais le Daesh n'a pas laissé ces gens-là encore tranquilles. Il a commencé à les massacrer, la Turquie de l'autre côté, etc., etc. Le conflit, ça continue. Mais pourtant, les Kurdes là-bas, vous devez aller voir en Kurdistan, Irak, en Arbil surtout, quelle vie ils ont fait, quelle société ils ont construit pour leur peuple, très propre, très laïque,
très courageux. Et c'est la même chose concernant les Kabylie, que si on le laisse tranquille, ces gens-là, parce que j'ai beaucoup d'amis de Kabylie aussi, qui disent ils ont des problèmes quand ils sont chez eux. Quand, je ne sais pas si vous avez entendu ou non, et plusieurs fois, il était victime et de certains mouvements ou individus extrémistes, radicalistes. L'individu, le radical compte son compatriote. Et cet courage est très admirable, puisque ces deux peuples-là, voilà, un Nord-Afrique, l'autre c'est Golfe Persique, c'est un échantillon de courage, de volonté de changer, de volonté d'être indépendant et vivre dans le monde libre d'aujourd'hui, mes chers amis. Alors 08 92 23 95 20, vous avez la parole, 08 92 23 95 20. Et voilà. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM et dans le monde entier par internet, icietmaintenant.com. L'humeur du temps présentée par David Abassi, écrivain et historien, tous les lundis et chaque dernier samedi du mois dès 23h. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20.
Voilà, Frédéric, il dit qu'il faut être terrorisé ou non, puisque le terrorisme existe. Mais c'est vrai, c'est le travail de terrorisme. Quand on fait des actes de terrorisme, le mot, il vous parle. C'est pour vous terroriser. Là, et c'est de temps en temps aussi, on fait des actes pour vous faire taire, pour boucher la parole, arrêter de parler. Ça, c'était le cas dans l'histoire. Dans l'histoire, quand il y avait ignorance en pouvoir, les gens étaient terrorisés, comme dans les gouvernements, dans les pouvoirs politiques. Que le pouvoir terrorise les gens et il accepte, soumis, les gens qui sont soumis, de temps en temps c'est par ignorance, l'individu ne connaît rien, il pense que ça c'est sacré, même de temps en temps il pense que s'il pense qu'on peut bouger ou toucher quelque chose qui était sacré pendant des années dans la tête, il va devenir une pierre, de bois, des choses comme ça. C'est-à-dire, c'est ignorance d'un côté. Alors après, pour pouvoir bien gouverner et manipuler les gens, ignorance, c'est première méthode. La plupart des gens, de temps en temps, dans certains pays, dans certaines périodes, dans certaines époques, ils sont ignorants. L'individu qui n'a pas le temps d'aller chercher pour trouver la vérité, pour travailler, étudier, lire, faire des enquêtes, je ne sais pas quoi. Par exemple, comme tout à l'heure, je crois que c'était Paul. Paul, il vient de m'appeler en disant qu'il était professeur. Cet professeur, il disait que c'est vrai, il n'a jamais compris comment ça se fait que Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon ne font pas un seul union entre les deux. Il dit, ça faisait plusieurs semaines que j'ai pensé à ça et j'ai posé la question aux gens que je le voyais de la part de ces gens-là en train de distribuer les prospectus. Mais les arguments qu'ils m'ont donnés n'étaient pas satisfaisants. Sauf ce soir, David, que tu as parlé question de financement, de l'argent, de plusieurs millions d'euros que chaque parti politique a dépensé pour son candidat. Alors, je ne peux pas abandonner. Parce que s'il abandonne, c'est son parti politique qui est en faillite. Il ne va pas être remboursé par l'État de dépenses qu'ils ont fait. Ce professeur, M. Paul, tout à l'heure, est un symbole, vraiment un symbole. Lui-même, il a dit ça, ignorance. Parce que quand on est ignorant, après... Ça peut être ignorant dans la philosophie, ça peut être ignorant dans les questions de la religion. Dans la religion, tu penses que ça c'est sacré, c'est de Dieu qui l'a ramené. Le Dieu n'est pas. Il a énormément de choses à faire. Et que penser pour moi et pour toi, et aller dans le désert et trouver quelqu'un, il a donné un bouquin, et il dit voilà, vas-y, tu vas. Alors, ignorance d'un côté, et de l'autre côté, c'est terrorisme. Terroriser les gens, terroriser les savants de ne pas parler.
Pour la part des fois, je parle avec des savants que je le vois ici. Des savants. Je dis, alors pourquoi ce que vous savez, cette annulation, annulation d'une partie, pourquoi vous ne le dites pas? Et lui, David, si on disait, ah, celui qui est en train de faire les prières derrière moi, il va me tuer. Je ne peux pas. Regardez, celui qui est derrière lui, c'est un ignorant. Celui qui est devant, c'est un savant. Savant, il est terrorisé. Et derrière lui, c'est ignorant. Mais ici, c'est qui doit travailler? Celui qui est devant. Devant, vous savez, on dit imam. Imam, c'est-à-dire celui qui est devant. Il doit travailler, il doit retourner la tête. Au lieu de faire la prière qui lui soit derrière, il doit faire face à face et commencer à dire la vérité. Et ça marche. Quand vous dites la vérité, ça marche. Puisque l'individu, l'ignorant, vous pouvez l'éclairer. Éclairage, c'est pour ça. N'importe où, quand il n'y a pas la lumière, vous venez avec un torchon, avec des allumettes, avec une lampe. Vous allumez, vous tuez l'ignorance, les ténèbres, il s'en va. Alors, c'est ça le travail. Il faut avoir le courage, il ne faut pas avoir peur. Si vous avez peur pour votre baguette, au lieu de manger la brochette, si vous êtes vraiment sincère pour régler ce problème qui est problème d'État, non, problème d'humanité. Imaginez-vous, mes chers amis, si vous êtes égyptien, vous étiez un peuple, grand peuple, 5000 ans de civilisation. Regardez qu'est-ce que vous avez construit. Regardez dans votre pays, quand vous voyagez n'importe où en Égypte, on trouve des sacrés, des monuments sacrés. Chaque jour, on le trouve. Vous étiez un peuple comme ça, civilisé, très très fort. Jusqu'à aujourd'hui, personne n'a pas fait comme vous avez fait. Alors cette civilisation, où est-ce qu'il est parti? Et comment est-ce qu'il est tombé? C'est des sauvages qu'ils ont attaqué chez vous. C'est des sauvages, ils ont attaqué. Ils ont changé votre langue, votre civilisation. En plus, ce n'était pas à l'époque du prophète de l'islam aussi. Ah, ça, il faut le dire, puisqu'il y a des fanatiques partout, il existe. Quand ils ont attaqué les grandes civilisations comme l'Égypte, grandes civilisations de Babylone, en Irak, Babel, en Syrie, Syrianine, Phéniciens, les Phéniciens étaient en Liban. Tout ça, c'était des grandes civilisations. En Nord d'Afrique, il était Kahane. Quand ils ont attaqué à toutes ces grandes civilisations, c'était par terreur et par ignorance. Comme ils ont fait Daesh, ils ont fait récemment, dans les 3, 4, 5 dernières années, la même chose ils ont fait à l'époque. Ils ont fait tomber des grandes civilisations par ignorance et par terreur. Alors, il faut ramener le torchon, torche. Il faut ramener la lumière. Il faut ramener le soleil. En arabe, il dit nour. Il faut ramener la lumière pour éclairer les gens. Et de l'autre côté, il ne faut pas être terrorisé. Si vous êtes terrorisé, c'est terminé. Il ne faut pas être terrorisé. Il faut avoir le courage d'être comme les gens qui étaient dans l'histoire de votre pays. Je parle des pays musulmans. Regardez, allez-y, lisez dans votre histoire. Les gens qui ont donné leur sang pour améliorer la situation de leur pays. Des grandes civilisations sont tombées, puisque après le prophète de l'islam, puisqu'il ne faut pas l'oublier, le prophète de l'islam, il n'a pas attaqué d'autres pays. Monsieur Mahomet, quand il est mort, il n'a pas attaqué les pays qui étaient voisins avec Mecca et Médine. Tout ça, c'était arrivé après lui. Pour ça, ce n'est pas sacré non plus. Pour les gens qui... Moi, je ne pense pas que quelque chose est sacré ou quelqu'un est sacré. Mais pour vous, pour rendre hommage à Saint-Pétersbourg aujourd'hui, David Abbassi vous dit ça encore une fois.
c'est pour rendre hommage à Saint-Pétersbourg et les victimes qui ont tombé à 14h. Ce lundi-là, lundi 3 avril. Alors, après quelques générations de prophètes de l'islam, ils ont commencé à attaquer d'autres pays. La Turquie, par exemple, son islam, il est toujours différent. Pourquoi ? Puisque la Turquie, c'était la Rome. La Rome de l'Ouest. Il y avait Est et Ouest. Tous les Istanbul, vous voyez, et Izmir, vous voyez, Skanderun, Antalya. La Turquie, c'était un pays romain. Rome était là-bas. Ils ont attaqué. Et par terreur, quand ils ont coupé certaines têtes, ils ont terrorisé les gens. Après, les gens qui étaient ignorants, ils pensaient que c'est le Dieu, c'est mieux que son patron, c'est mieux que son roi. La pauvreté existait, tous ces problèmes que vous dites, et là-bas aussi peut-être existaient dans les autres pays, ils étaient soumis au pouvoir qui venait d'arriver, qui terrorisait les gens et profitait les ignorants pour les faire entrer dans leurs armées. Et comme ça, ils ont élargi, ils ont venu même jusqu'au sud de la France, mes chers amis. Voilà, ils sont venus jusque-là par terreur et par ignorance. Alors, maintenant, c'est très important. Au lieu d'aller chercher des choses que chaque candidat, par jour, il vous dit à la télé, à la radio, soyez actifs, soyez présents, ramenez-les aux positions qu'ils doivent le prendre. Position assez importante. Et cette position, ça commence à éduquer. Moi, j'ai vu les manuels des écoles. Il y a des changements. On est en train d'apprendre des choses à nos enfants. C'est bien. Mais encore, il faut faire plus que ça pour montrer la vérité et la lumière dans les manuels des écoles, même jusqu'à l'université, des maternelles jusqu'à l'université. Il faut dire la vérité. Il ne faut pas avoir peur. Il faut tuer les peurs. L'État, les élus, ils doivent tuer les peurs. Le peur, vous devez le tuer. Ignorance, on doit le tuer. Et on doit travailler par les savants. En 2000, l'an 2000, Lionel Jospin a créé un comité. Et cette comité devait faire un travail qu'à l'époque Mitterrand il avait fondé par Jean-Pierre Chevènement. Après, ça continue. Même Lionel Jospin en 2000, Manuel est sorti, mais certaines choses encore n'étaient pas à la main des spécialistes. Et c'est ça qui est très important. Annulation d'une partie des paroles que certains ils le considèrent sacrées. Si cet acte n'a pas fait par le pouvoir politique, par les savants, le problème ça continue. Puisque le virus, ça existe. Et cet virus, il faut le tuer. Cet microbe, si vous ne le tuez pas, si vous ne le désinfectez pas bien, vous allez l'étouffer ici, il va sortir à Montpellier. À Montpellier, vous allez l'étouffer, il va sortir à Nice. Il va changer d'emplacement. Mais depuis toujours, les savants, ils ont dit les paroles sacrées de l'islam et trois parties. Annuler et annulant, c'est-à-dire une partie, c'est annuler. Muhkamat, c'est-à-dire les paroles qui sont solides, fortes, qui parlent des choses bien, et mutashabahat, ressemblant. Certaines paroles, vous ne savez pas qu'est-ce que ça veut dire exactement. Mais vous pouvez le lire. Ça ne gêne personne. Ce n'est pas comme le verset de djihad. Parce que le verset de djihad existe. C'est ça l'annulation.
Il faut annuler le verset. Il ne faut plus ces gens-là lire ces versets-là, puisque les versets, ça existe. Dans n'importe quel livre saint musulman, vous l'ouvrez, il existe. Alors, on doit faire de préface, même si on va les garder. Oh, il faut l'enlever. Ça, c'est ça la vérité, mes chers amis. Alors, ça aussi, sachez-vous bien, comme certaines choses que vous ne saviez pas, on a dit encore une fois par les spécialistes, si on est malade, cardiaque, on va aller voir un médecin cardiaque. Si on a des problèmes de dents, on va aller voir un dentiste. Voilà, si on a cassé la gueule, on va aller à l'hôpital, patati patata. L'histoire a des spécialistes. Historien, celui qui vous raconte l'histoire, et c'est à vous d'analyser et éliminer ce qui peut être dangereux pour le peuple. Regardez, comme on va finir avec ça, pour changer un peu le ton, comme les prénoms de certains candidats que vous ne saviez pas, Fillon, François Fillon, il est François Charles Armand Fillon. Voilà. Manuel. Macron aussi. Emmanuel Macron, c'est Emmanuel Jean-Michel Frédéric, et Marion Le Pen, c'est Marion Anne Perrin. Comme des choses tellement simples qu'on ne savait pas. Ces choses-là, quand vous le savez, ça ne change rien. Mais par contre, quand vous savez qu'une partie du Coran est annulée, ça change beaucoup de choses. Dès demain, vous devez parler partout où vous avez le moyen de ça. Si on va arrêter la violence, si on va arrêter la radicalisation des individus pour ne plus être manipulés par les forces de pouvoir et de l'argent. Mes chers amis, je vous remercie beaucoup. Joël, bonjour. Bonjour. Je ne vais pas te faire plaisir, hein? Non, c'est pour ça que je te prie avant de partir. Voilà, pas de problème. Mais je ne t'en veux pas. Non, vas-y. C'est pour ça que je te... Voilà, vous avez la parole, madame. D'accord. Alors, d'une, je suis déjà d'origine, je dirais tout de suite, d'Afrique du Nord, de l'Algérie. Alors... Et je voudrais remettre, tu es très gentil en disant que tous les Kabyles, et je suis de cette région-là, que tous les Kabyles sont courageux, gentils, ce qui n'est pas tout à fait exact. Et je suis de cette région, hein. Mais vous n'êtes pas, Kabyle vous-même, vous habitez si, parmi les Kabyles. Je le suis. C'est pour ça que je me permets de le critiquer. Ah, d'accord. Ok, et Joël, pour critiquer les Kabyles, la prochaine fois, prends ton combiné, s'il te plaît, et appelle-moi avant 1h du matin, et tu es le bienvenu, et je te prendrai avec grand plaisir. Mais la gentillesse, c'est autre chose que je n'ai pas prononcé, mais j'ai dit courageux, et je maintiens, c'est un peuple très courageux. Et il faut être fier d'être Kabyle, puisque parmi les gens... voilà, les Kabyles, c'est les gens de montagne, c'est les gens de combat, c'est les gens de l'intelligence, ils sont très gentils, voilà, je dis gentils aussi, et très courageux. Alors si tu as rencontré quelqu'un, une ou deux personnes, des problèmes toujours existent partout, jamais on ne peut pas donner la carte blanche à la totalité du peuple, cher
Joël. Il y en a de méchants partout. Jamais je n'ai pas dit ça. Mais on parle de la majorité, de la totalité. Non, de la majorité. Mais n'oublie pas de m'appeler la prochaine fois et tu vas avoir la parole avec grand plaisir. Merci. Je t'embrasse. Je vous embrasse toutes et tous et je vous dis à la prochaine. Merci. Au revoir. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM et dans le monde entier par internet, icietmaintenant.com. L'humeur du temps présentée par David Abassi, écrivain et historien, tous les lundis et chaque dernier samedi du mois dès 23h.